Salut, c'est David de GameCoder. Alors, le thème de la Game Jam, 20e édition, je vous le disais, je l'annonce tout de suite, elle commence maintenant. J'ai programmé la vidéo pour qu'elle soit publiée à 14h ce mardi. Le thème est... Le thème est Bounce and Collisions. En gros, rebond et collision. Vous allez pouvoir développer un prototype de jeu, un jeu, une expérience de programmation basée sur ces concepts-là. Vous êtes tout à fait libre sur le thème général, l'univers de votre jeu. Mais ce que je veux, c'est que ça collisionne et si possible que ça rebondisse. Voilà, comme ça, c'est une grosse révision, hein. On va attaquer l'été, on fait comme les enfants, on révise et je prépare pour vous un guide de programmation où je vais rassembler toutes les informations qui sont actuellement éparpillées parmi différents ateliers, différents guides de programmation, toutes les informations concernant les collisions pour vous faire un guide de synthèse avec même des nouveaux éléments, notamment d'optimisation, pour vous aider à gérer vos collisions, qui est un fondamental de la programmation de jeux vidéo. Vous allez savoir programmer des collisions en pur code. Vous allez pouvoir faire des algorithmes de collision et des algorithmes de rebond. On va voir ça ensemble pendant cette Game Jam. Vous avez à peu près 3 semaines pour réaliser un prototype de jeu. C'est réservé aux élèves premium de la formation Game Coder. J'enverrai par email toutes les informations concernant le guide de programmation, ainsi qu'une version PDF imprimable du guide. Vous allez pouvoir également accéder à ce guide en ligne et au code source que je vais vous fournir. Alors moi je vais participer aussi, je participe toujours à mes propres game jams, pas obligatoirement comme une game jam traditionnelle, mais en tout cas je vous fournis un code source original spécifiquement développé pour cette jam là. Alors pour la jam Bounce and Collision, ce que je vais faire pour vous, c'est j'avais programmé cette petite démo il y a quelques années, ça s'appelle Mini Jump, je ne sais pas pourquoi j'avais appelé ça. J'avais eu envie de faire un décor, une map, avec un personnage le plus petit possible, donc c'est du 8 par 8, et de gérer des tirs, et ces tirs génèrent des explosions, et ces explosions, grâce à un système de collision et de physique programmé à la main, rebondissent sur les parois du décor. Je vous montre ce que ça donne et je vais reprogrammer ça peut-être, je pense, en C# avec Monogame, de manière à pouvoir me remettre dans le bain de Monogame parce que le prochain atelier, je pense que ça sera un atelier Monogame, C#. Je vous montre. Je vais reprogrammer ça. Donc l'idée, c'était d'avoir un personnage capable de rebondir dans un décor. Donc l'échelle, elle est pas gérée, elle est considérée comme un obstacle. L'idée, c'était d'avoir donc un personnage comme ça capable de sauter. Et surtout, ce qui est fun, c'est qu'il tire et que ces tirs génèrent des explosions qui rebondissent. Alors, vous verrez, l'algorithme est très simple, mais je trouve que son efficacité... redoutable parce que c'est juste super fun. Il y a vraiment un feedback pour le joueur au moment où il tire et où il voit son explosion. J'avais réutilisé la même philosophie dans le prototype de Space Lost Colony Space Dungeon au moment des explosions des monstres dans les donjons. Les particules, le monstre se casse en petits morceaux et les morceaux rebondissaient sur les parois. Donc voilà. Donc on va essayer de reprendre ça. Alors ça rame un peu parce que j'ai des traces qui s'affichent de plus en plus et que au bout d'un moment les traces viennent saturer Chrome. Voilà, si je le recharge. Alors ne me copiez pas. Vous pouvez utiliser ce principe-là comme vous le voulez. L'idée, c'est simplement d'avoir des collisions. Et si possible des rebonds. Je vous guide dans le guide de programmation pour vous prendre par la main pour commencer si vous êtes débutant. Je vous dis qu'est-ce que vous pouvez faire pour démarrer. Je vous donne des références des ateliers que vous allez pouvoir suivre ou que vous avez peut-être déjà suivi et dont vous allez pouvoir vous inspirer pour pouvoir démarrer cette jam. Je vous suivrai au fur et à mesure de ces 3 semaines, si ça finit à la fin du mois, la jam. Je vous fournirai des codes sources, je vous enverrai ça par email, je vous le disais, pour les membres premium. Il faut vous inscrire. Avant, vous allez donc sur itch.io/jam/gamecoder/gamejam20. Vous avez tous les liens sur le site de Gamecoder et vous cliquez sur Join Jam pour vous inscrire. Et à partir du moment où vous avez cliqué sur Join Jam, je vous demande de faire l'effort de livrer quelque chose. Alors, si vous n'arrivez pas à terminer dans la minute du dernier jour à minuit pour livrer votre jeu, je vous conseille de livrer
le prototype du jeu quelques jours avant et de faire une mise à jour le lendemain ou quelques heures après la fin de la jam, c'est autorisé. Voilà, je suis pas de la police. L'idée, c'est que vous pratiquiez et que vous vous éclatiez. Donc, vous pouvez choisir un framework, un moteur qui est enseigné par Gamecoder. Vous pouvez participer quel que soit votre niveau. Et si vous êtes débutant, vous pouvez même participer, même mentalement, c'est-à-dire vous mettre dans les conditions de la jam et ne pas livrer quelque chose à la fin. C'est pas grave. Ce qui est important, comme je vous le disais, c'est que vous puissiez progresser et que ce soit un combat, un concours contre vous-même et non pas contre les autres. L'idée, c'est de pratiquer. J'en parlais dans la vidéo d'hier, une vidéo qui était volontairement grinçante et volontairement un petit peu, on va dire, au vitriol. J'ai vu les réactions, du coup, j'ai plus les commentaires parce que ce genre de vidéo génère des commentaires des gens qui se défendent, qui veulent défendre leur petit pré carré et ça m'intéresse pas particulièrement. L'idée de cette vidéo, c'était une invitation à la pratique. Donc, pratiquez. Et quand vous aurez pratiqué, quand vous aurez vraiment créé des jeux vidéo, quand vous aurez vraiment appris à concevoir des jeux vidéo, quel que soit l'outil que vous utilisez, même si vous utilisez Multimedia Fusion sans aucun code, c'est d'avoir fait un des projets d'une relative envergure, d'être capable de commencer, terminer un projet, de le livrer, d'avoir une vision originale, de savoir utiliser les outils et d'aller au-delà de ce qui est fourni d'automatique. Voilà, c'est ça pour moi, à pratiquer la programmation de jeux vidéo. Et la Game Jam, c'est l'outil idéal. Donc vous êtes déjà 38 inscrits là, ça fait quelques heures que j'ai ouvert la jam sans annoncer le thème. Je veux plein d'inscrits, je veux plein de jeux, je veux que vous éclatiez, je veux que vous pratiquiez. Alors ça collisionne, ça rebondit, c'est la Game Jam 20e édition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un pouce comme ça sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous découvrez, vous pouvez rejoindre la formation Gamecoder si vous le voulez. Les 30 premiers jours sont gratuits, vous avez accès à quelques ateliers. C'est une formation qui est orientée programmation. Je forme des codeurs, je forme la programmation et la programmation de jeux vidéo. Vous allez devenir autonome, vous allez devenir indépendant, vous allez être capable de créer des jeux que vous avez dans votre tête et non pas des jeux qui vous sont dictés par les outils que vous utilisez et vous serez libre d'utiliser tous les outils, tous les moteurs que vous voudrez utiliser, parce que vous aurez appris à raisonner comme un programmeur de jeux vidéo, vous aurez appris à utiliser et à switcher de moteurs et de langages, et vous serez donc devenu autonome, versatile, et vous allez pouvoir réaliser votre rêve de créer vos propres jeux vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis croyez en vous, bon code, salut!